Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais à m'excuser parce que si vous entendez un bruit, c'est que c'est mon ventilo qui se trouve ici. En ce moment, on est très très proches, nous deux, vous voyez, c'est un peu comme mon meilleur ami. Car sans lui, je serais actuellement en train de mourir de chaud. Parce que comme je vis sous les toits, la chaleur est juste insupportable, donc voilà voilà. Mais bref, on n'est pas là pour parler de chaleur, on est là pour parler de livres. Donc bah, c'est parti, place à l'intro et après je vous dirai quel livre je vais présenter. Sauf que vous devez sûrement savoir quel livre j'ai présenté si vous avez vu ma vidéo d'avant. Voilà. Donc le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de La planète des sept dormants de Gaëlle Aymon, voilà, dans la collection, enfin édité chez Nathan. Donc ce livre là est sorti récemment, donc il est sorti le 14 juin. Et je peux avouer que la couverture est quand même pas mal, hein. Ouais, j'ai pas de photo là sur moi. Après que leur vaisseau ait été endommagé, un équipage de 9 personnes font naufrage sur une planète qui semble désertique. La capitaine de ce vaisseau, Melae, a beau être jeune, mais elle a de l'ambition car elle aimerait bien trouver sur cette planète inconnue une trace de civilisation. Et c'est alors qu'ils trouvent 7 stèles non loin de leur vaisseau échoué. Mais un drame va avoir lieu car la seconde lieutenant Nancy va être retrouvée morte dans l'une de ces stèles qui est ouverte. Donc maintenant tous les équipiers se méfient les uns des autres. Et du coup Melae va donner pour mission Adanko qui est un empath. Donc un empath c'est une sorte de médium qui rentre dans la tête des gens pour essayer de... Bah, il peut voir les émotions des personnes. Et du coup grâce à ça il va essayer de découvrir qui est le tueur de Nancy, oui. Pendant que 3 membres de l'équipage partent en expédition, le reste de l'équipage tombe sur un peuple primitif. Mais est-ce que ce peuple est vraiment primitif? Et est-ce qu'ils leur veulent du bien ou du mal? Et est-ce que leurs croyances peuvent-ils aider nos naufragés? Alors j'étais vraiment curieuse de commencer ce livre car l'intrigue m'avait l'air intéressante, je voulais voir où elle pouvait mener. Et puis j'ai pas beaucoup lu de livres sur des planètes différentes, bon j'ai lu Phobos, après Les fiancés de l'hiver c'est sur une planète complètement différente, mais voilà, ça m'avait l'air intéressant. Et franchement j'ai pas trop été déçue, même s'il y a vraiment beaucoup de passages que j'ai eu du mal à comprendre parce que vu que c'est complètement différent, c'est complètement nouveau en fait, donc j'ai eu du mal à suivre par moment. Ça m'a pas dérangé plus que ça, mais vraiment il y a des passages qui m'ont que j'ai pas compris tout simplement, voilà. Sinon l'ensemble de l'histoire m'a plu, j'ai bien aimé la description de la planète et les différentes inventions qu'a inventé l'auteur en fait. Je trouve ça incroyable quoi, il a inventé plein de choses et je trouve ça bien. Par contre le problème c'est que je me suis pas tellement attachée au personnage en fait, j'ai trouvé ça un peu compliqué parce qu'il y en avait pas mal en fait, il y en avait pas mal. Et puis leurs noms sont vraiment compliqués, donc on a Hook, Itak, Melae ça va, on a quoi ensuite, Enmir, oui, A-N, plus loin, enfin tiré M-I-R, Enmir. Danko, bon Danko ça va encore, mais il y a des noms qui sont assez compliqués à suivre quoi, et bon j'ai eu du mal à prononcer ces mots là j'avoue, mais voilà. Sinon je me suis pas trop attachée à eux. Il y a 3 personnages par contre qui sortent du lot, et donc Melae j'ai bien aimé, Danko j'ai bien aimé, et ensuite on a Viviane qui est la princesse des primitifs en fait, la chef du peuple primitif, voilà c'est ça que je voulais dire, mais voilà. Leur vaisseau n'est pas vraiment un vaisseau, ce qui est un peu bizarre parce qu'il possède un cœur, un cerveau et d'autres organes, donc il a l'air vivant un peu. Et j'avoue que j'ai eu assez du mal à me projeter avec cette idée, à me le visualiser en fait le vaisseau, à me l'imaginer. J'ai eu assez du mal parce que je me dis un vaisseau avec un cœur, un cerveau, enfin c'est quand même bizarre. Ouais, donc j'ai eu assez de mal sur le vaisseau, mais sinon en général j'ai bien aimé ce livre et... je vous le recommande parce qu'il est quand même sympa. Bon après peut-être que je suis bête et c'est pour ça que j'ai pas réussi à comprendre certains passages.
Mais bon, voilà. Ça m'a, en tout cas, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais je suis contente de l'avoir lu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle est assez courte, je sais, mais j'avais pas grand-chose à dire car j'ai bien aimé ce livre-là. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vrai. Et avant de partir, je vais bien évidemment piocher dans ma petite boîte pour voir quel livre je vais lire. Voilà, je suis toujours pressée de chercher là-dedans. Alors. Harry Potter, Harry Potter, ouais. Oh, ça y est, je vais enfin le lire. Oh, je suis trop contente. Oh putain, je suis trop contente. Ah, j'ai l'impression que c'est Noël. Oh là là. Merde, je viens de remettre le papier dedans. C'est pas grave. Ouais, Harry Potter. Donc, voici le livre. En plus, il est sublime, il est magnifique. Oh, voilà. Oh, ça sent bon. J'adore l'odeur des livres. Hein. Ça, c'est un truc que j'adore. Mais voilà. Waouh. Ah ouais, Harry Potter. Ah bah enfin, je pourrais enfin dire à tout le monde que j'ai lu Harry Potter. Bon, là j'ai que le tome 1, mais bon, j'achèterai les autres un moment ou un autre. Oh, ouais. Ah ouais, non, là je suis vraiment contente, là j'ai l'impression que c'est Noël. Donc voilà ma soeur, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur Harry Potter à l'école des sorciers. Donc voilà. Ah, je suis trop contente de lire ça. Pas moi. Je peux peut-être sommer avec. Oh, mais t'as abîmé mon livre! Je m'en fiche de toi en fait. C'est juste mon livre. Ça, la sœur intime. Ouais. Oh, bah, voilà. Salut! Dis au revoir. Salut, salut. Ah, elle a plus de voix toi. Oui. Elle a plus de voix. Allez. Salut.